Salut à tous, juste petite intro pour vous dire que maintenant pour les prochains épisodes de Maxon HDV, j'avais envie en fait de lancer un petit concept, c'est simplement de mettre vos fanarts en avant tout simplement à chaque début de vidéo, par exemple que ce soit un petit dessin ou une petite construction ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les envoyer, simplement soit par mail, sur le mail qui s'affiche en description, soit sur Twitter ou autre, vraiment trouver un moyen de me les envoyer, les potes, ça me ferait hyper plaisir, que ce soit des dessins, des constructions ou tout ce que vous voulez, vous me le prenez en photo ou alors vous me faites un screen ou je ne sais quoi, et tout simplement vous me l'envoyez par mail. Je pense que je vais essayer de tous vous faire passer, pourquoi pas en musique en début d'épisode, ça peut être plutôt cool. En tout cas voilà, n'hésitez pas à envoyer des petits mails, j'attends vraiment vos dessins, vos fanarts ou autre, et je pense faire ça du coup à chaque début tout simplement d'épisode de Maxon HDV. Donc un petit dessin, que ce soit par rapport à Clash of Clans, par rapport à moi ou par rapport à la chaîne tout simplement, une épée d'Excalibur, un rocher d'Excalibur, ma tête ou tout ce que vous voulez les potes, j'attends du coup de voir vos créations et bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Maxon HDV9. Aujourd'hui les amis, 7ème épisode, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va essayer de s'améliorer tout simplement le roi des barbares au niveau 11. Pendant cet épisode on va essayer de s'améliorer le roi, mais je vais déjà améliorer pas mal de petits trucs etc comme vous le voyez. Donc attendez, on passe directement aux améliorations. Donc on est parti, let's go. Donc là, concrètement sur ma base, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire du coup la dernière tour de sorcier pour commencer. Donc boum, c'est parti. La TDS qui part, on va ensuite améliorer cette petite Tesla camouflée ici qui est que de niveau 1, faut bien l'améliorer quand même. Et ensuite on va se faire du coup la seconde caserne noire, non c'est pas celle-là, c'est celle-là du coup pardon, pour pouvoir avoir les molosses dans les deux casernes. Donc ça c'est cool, j'ai déjà débloqué les molosses comme vous le savez dans le dernier épisode, comme ça maintenant on les aura dans les deux casernes, donc ça c'est très très cool. Après est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a assez pour faire une petite recherche dans le labo? On peut faire les sorts de saut à la limite, mais c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'on va essayer de garder nos ressources et qu'on fera les géants dans le prochain épisode. Par contre, il me reste de l'élixir noir. Bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer pas ma reine parce que j'ai pas assez, ni mon roi. Du coup, c'est un peu con, mais par contre, du coup, on va se farmer le roi des barbares. Ok, donc on va terminer du coup cette vidéo. On va essayer de s'améliorer le roi des barbares. Du coup, comme vous le voyez, j'ai 45 000 et j'ai 41 000 là à peu près. Donc ça devrait le faire. Du coup, on est parti, let's go, on part direct en game. Il faudrait qu'on arrive à avoir 4000 d'élixir noir en plus avant la fin de la vidéo. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il va y avoir des petites coupures, etc. À droite, à gauche, comme vous connaissez. Je suis du coup en cristal en ce moment. Donc une zone qui normalement n'est pas trop mal pour farmer de l'élixir noir. Regardez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, plein de mini-attaques en fait. Où on récupère juste par exemple. Là, regardez ici, il y avait deux foreuses là-haut. Il y en a une troisième ici qu'on va récupérer également. Juste en fait, on va récupérer des petites foreuses comme ça dehors. Et du coup, on va pouvoir améliorer notre roi de barbare en faisant ça. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Ça va être la folie. Et là, par contre, il y a une reine de niveau 10 ici qui va être embêtante. Il va falloir essayer de la faire tourner, je sais pas trop comment, faut essayer, bon, au pire on va l'attaquer directement, j'allais dire on va essayer de l'éviter mais ça va être trop compliqué. Ok, déjà j'ai pris pas mal, est-ce que les deux réserves sont détruites là-haut? Oui, parfait. Est-ce que je vais prendre de l'élixir et de l'or? Clairement non, je suis vraiment focalisé sur l'élixir noir là, donc je vais mettre même mon petit roi des barbares ici, histoire qu'il aille direct sur la foreuse. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, le roi des barbares au niveau 10, il est vraiment flemmard quand même. Ok, parfait, tac, on a récupéré 1000 d'élixir noir, c'est très bien. On enchaîne, let's go, let's go, let's go. J'ai pas mes troupes qui sont formées. Hop, 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 parfait, nickel. Est-ce que j'ai un petit peu ici dans cette charrette? On va la récupérer. On est à 43 000, il nous manque 2000, c'est parfait, on enchaîne, let's go. Ici, on a 1500 d'élixir noir. Est-ce que vous aimez, les potes, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez un petit peu les vidéos comme ça, beaucoup plus dynamique. Là, regardez encore une fois, on enchaîne sur une petite attaque d'élixir noir. Vraiment, en fait, pour farmer d'élixir noir, il n'y a pas de solution miracle. Le mieux, moi je trouve, c'est limite de faire des toutes petites attaques comme ça. Regardez, je récupère certes que 600, mais c'est déjà 600 en plus quoi. Et puis j'ai utilisé que très peu de troupes pour les avoir. Et puis c'est vraiment en fait la rentabilité. Hop, regardez, on va enchaîner. Let's go, je m'en récupère 800 plus le bonus. Mais malheureusement, vu que je gagne pas de bonus là. Mais si j'avais fait au moins le 50%, j'aurais pu avoir un bonus en plus. Ok, donc n'hésitez pas à me dire les potes du coup si vous kiffez ce style de petit épisode beaucoup plus dynamique pour Maxon HDV, ou alors est-ce que vous préférez les épisodes un petit peu plus traditionnels. Je pense qu'on aura un petit peu de tout dans tous les cas dans la série. Donc attendez, là il y a deux foreuses, on est d'accord, il n'y en a pas trois. Il y en a une là et une là, ça va être un peu compliqué, mais il y a moyen qu'on les chope. En plus là il y a beaucoup, il y a 3200, donc c'est hyper intéressant. Ok, donc on va se faire comme ça, clac.
Je sais pas vous faire trop de coupures ni d'accélérer rien, hein, pour que vous puissiez voir à quelle vitesse je vais arriver à farmer les 5000 qui manquaient. Donc les potes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous kiffez la série toujours, n'hésitez pas à me dire également comment je pourrais améliorer la série. Par exemple, dans le dernier épisode, je vous avais demandé si vous préfériez avec ou sans overlay. Bien évidemment, comme vous le voyez, il n'y a pas d'overlay. En fait, vous avez largement préféré sans overlay, comme ça, avec le fond vert, etc. Donc je pense que clairement, les prochains épisodes seront comme ça, il n'y a pas de souci. Je tiens compte de vos commentaires, hein, ne vous en faites pas. Vous mettez pas vos commentaires pour rien. Donc vraiment, si vous avez d'autres suggestions ou quoi, mettre tout simplement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être que je les appliquerai pour le prochain épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire tranquillement? Ok, on récupère les deux foreuses. On est très très bien. Regardez, j'ai déjà 46 000. J'ai déjà assez pour améliorer mon roi des barbares. Ça s'est fait très 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 vite. Regardez, il n'y a pas de montage ou quoi. Regardez sur le Garmin Log, il y a 2 minutes, il y a 1 minute et il y a, voilà, maintenant. Donc voilà, le roi des barbares, c'est fait. Boum, on l'améliore. Et voilà, ça, c'est nickel. Alors, on va quand même pas arrêter la vidéo ici parce que ça ferait très très court. On va se faire encore une ou deux petites attaques tranquillement, je pense. Donc, on est reparti en ladder. Let's go. Comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu. J'avais pensé, les potes, à vous faire quelque chose aussi. Mais ça, je sais pas trop si vous serez du coup réactif à ça. À chaque fois, en début d'épisode de Maxon HDV9, j'avais pensé par exemple à vous mettre des fanarts que vous faites. N'hésitez pas à me les partager soit sur Twitter, soit sur tout simplement. Par mail, par exemple, vous me faites, je sais pas, un dessin ou une création sur Photoshop, ou alors même que vous dessinez normalement, soit que ça soit en rapport avec Maxon HDV9 ou soit en rapport avec ma chaîne, etc. Je pense, pourquoi pas, vous les faire, du coup, vous les montrer tout simplement en vidéo, que ce soit ce que vous voulez vraiment, des figurines ou des constructions ou tout ce que vous voulez, même des trucs avec votre village, même ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je voulais vous faire ça, les potes. Donc voilà, si vous avez des petits fan art à me faire, que ce soit des dessins de moi, des dessins de Clash of Clans, des dessins de ce que vous voulez en rapport avec la chaîne, n'hésitez vraiment pas, je vous les mettrai du coup à chaque fois en début d'épisode de Maxon HDV. Comme vous le savez, normalement Maxon HDV 9 sort une fois par semaine, normalement. Il n'y a pas réellement de jour précis, mais le plus souvent c'est soit le vendredi, soit le mercredi, soit le dimanche. Et donc voilà. Bref, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Je trouve que c'est un peu sympa parce que du coup ça vous fait participer à la vidéo et tout. Donc je trouve ça stylé. Bref, on va essayer de se faire une petite attaque tranquillement. Et après on va arrêter la vidéo tranquillement. Ok, je suis en train de vous dire, les potes, que je vais vous faire une petite coupure et qu'on se retrouve dès que j'aurai terminé. A tout de suite. Ok, on a trouvé une petite base assez sympa. Oula, petit bug sur l'émulateur, il va pas que je dézoome. Ok, c'est bon, nickel. On va attaquer ça, let's go. Clac, 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 clac. Aussi, les potes, n'hésitez pas à me dire, encore une fois, vous avez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire également si vous kiffez un petit peu ou pas les couleurs que j'ai mis sur le jeu. Parce qu'en fait, j'ai mis des filtres là sur le jeu, normalement en montage. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je fais beaucoup ça en live, mais je ne faisais pas beaucoup en vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout simplement ça vous plaît. Je trouve que les couleurs, en fait, ressortent beaucoup mieux comme ça. Il y a plus de contraste et tout. Enfin, bref, c'est vraiment des détails. Mais n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ça, parce qu'en fait ça me prend un petit peu de temps en montage, etc. à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ça. J'essaie vraiment de vous faire des vidéos de meilleure qualité avec des trucs un petit peu plus poussés, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, tout simplement, on va faire une petite attaque assez sympa. Là, on va récupérer presque toutes les ressources. On a un petit peu d'élixir noir à récupérer là-haut. Il reste que deux archers, ça va être chaud, ça va être très chaud. Dans tous les cas, l'élixir noir, on s'en fiche un petit peu vu que je viens d'améliorer mon roi des barbares. On en a plus besoin. En tout cas, on va arrêter du coup cet épisode ici. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la série. Dans le prochain épisode, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer du coup les géants dans le CDC. Ce que j'avais aussi envie de faire, c'était d'up mon dernier arc X. Et après, je pense qu'on va commencer tranquillement les mortiers également. Parce que les mortiers, c'est aussi hyper important. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et sur tous les potes, dites-moi dans les commentaires du coup un petit peu tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous pensez par rapport au fan art, et n'hésitez pas à me les envoyer du coup à l'adresse mail qui s'affiche ici. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez plus avec ou sans overlay, si vous kiffez plus la couleur du jeu, etc. Bref, plein de petits détails. Je vous fais de très très gros bisous et ciao ciao les amis, à plus.